Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va ouvrir une loot crate. C'est la première fois que j'en commande une et ce sera probablement la dernière puisque je vous avoue que j'ai été un peu déçue par le contenu. J'ai investi, je crois, un peu plus d'une vingtaine d'euros, frais de port inclus, parce que l'annonce nous proposait du contenu spécial Destiny, le thème étant les gardiens, à l'occasion de cette loot crate du mois de mai. Donc si je fais aujourd'hui ce petit unboxing avec vous, bien sûr c'est pour vous partager tout de même ce qu'il y avait dans cette boîte, mais aussi et surtout pour peut-être vous informer si vous aviez l'intention d'acheter cette boîte en rapport avec les gardiens, puisque je sais qu'il est possible d'acheter les loot crates des mois précédents. Donc on va quand même regarder tout ça ensemble et c'est parti, on va commencer par un petit unboxing des familles. Alors dans cette loot crate, vous allez trouver de la pub, encore de la pub, un bouquin Star Wars avec pas mal de petits dessins à colorier, ce qui peut être plutôt sympa, mais surtout si vous avez, on va dire, un peu moins de 10 ans. Dans cette boîte, vous avez également des crayons de couleur qui vont vous permettre à colorier, tadam, le fameux bouquin Star Wars. On poursuit avec une figurine de Rocket et Groot qui sont mes personnages préférés des Gardiens de la Galaxie. Donc là, j'étais plutôt contente, mais bon, c'est pas le thème de cette vidéo. Un t-shirt des Goonies, mais je dois vous avouer que je ne sais même pas ce que c'est. Et on continue avec un petit pins collector d'Avatar. Alors dans les petits bouquins qui vous ont été fournis, vous retrouvez quelques pubs et quelques petites références envers Destiny qui va vous permettre d'avoir les premiers visuels de ce qui est le principal item en rapport avec Destiny contenu dans la boîte. Et donc c'est parti, on l'a ouvert, et bien il s'agit simplement de trois petits écussons à coller sur vos vêtements. Alors certes les écussons sont plutôt badass, de très bonne qualité, vraiment très bien fait, mais je vous avoue que c'est pas tout à fait le genre de choses que je porterais sur mes vêtements. Je vais quand même les garder pour la collection, mais une fois que j'ai ouvert toute la boîte, je vous avoue, je suis plutôt déçue. Alors vous me direz, il y a encore autre chose, la boîte est collector puisque son emballage vous permet de confectionner un petit spectre en carton, sauf que voilà, problème, la boîte étant celle qui sert de contenu général, je vous avoue qu'elle a quand même plutôt bien morflé au moment de la livraison. De plus, le carton n'étant pas de très très bonne qualité, le montage final avait tendance à rendre plutôt moyen et le spectre avait vraiment l'air d'être fatigué. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce petit unboxing, je vous avoue que j'ai vraiment le sentiment de m'être fait berner, c'est dommage parce que j'attendais beaucoup de cette box avec les gardiens, surtout quand on voit l'annonce qui nous a été faite concernant cette box du mois de mai, dont on avait plutôt l'impression qu'elle nous annonçait du lourd, surtout en rapport avec Destiny et surtout par rapport à toute l'actu qui tourne autour de Destiny 2 en ce moment. Donc voilà, une belle déception, mais j'espère au moins que cette vidéo pourra servir à certains d'entre vous si jamais vous aviez l'intention d'investir de votre côté. N'hésitez pas à me faire part de votre point de vue, je sens que ça va être chaud chaud dans les commentaires. Je vous embrasse, profitez bien, geekez bien et surtout amusez-vous. Ciao tout le monde !